Alors salut tout le monde et on se retrouve ce soir sur Golden Sun. Alors les amis, j'ai pas du tout réglé la cam ni rien du tout. J'ai lancé le live le plus rapidement possible quand j'ai vu l'heure qu'il était. Je commence le live un peu tard ce soir. On va dire qu'aujourd'hui ça a été un petit peu la course. Je suis rentré du bercail. Alors attendez, est-ce que je me remets mieux parce que j'ai pas déjà rien que pour le dos parce que là aujourd'hui j'ai douillé un petit peu au niveau du travail. Donc je disais ouais donc j'ai commencé un petit peu parce qu'après il y a eu la course, j'ai eu plein de choses à faire entre temps, on a mangé tard, donc ça a été un petit peu la course quoi. Donc au niveau de la cam, on va essayer de voir si on peut avoir une meilleure couleur. S'il te plaît. Ouais voilà. Hop, ça va pas brancher grand chose mais c'est plus propre. Niveau ça, stop, voilà comme ça, nickel. Ok les amis, on est bon, on est good. Allez, on est parti dans le jeu. Allez, c'est parti. Alors juste une petite vérification parce que bon, ces derniers temps je souffre un peu d'Alzheimer, donc niveau 26, 26, 25, 25, tout le monde était bien équipé. Je vous avais montré sur la dernière vidéo donc la zone secrète, la zone obsolète. Où je vous avais montré justement les armes maudites et tout. On a pu s'équiper de certaines armes qu'on n'est pas censé avoir là maintenant pour l'instant dans le jeu. Donc normalement on est censé être beaucoup plus puissant. Donc nous voilà arrivés dans le phare de Babi. Je vais vite vérifier s'il n'y a pas des trucs à prendre. Au niveau des compétences, les amis, au niveau des compétences, on était... Au niveau des compétences, on était... Non. Mais qu'est-ce que... Non, non, attends, stop, 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 stop. Non. Voilà. Au niveau des compétences... Mais je vais y arriver, oui ou non? Au niveau des compétences, au niveau des djinns, on avait tout normalement. Il faudra peut-être trouver celui qui est normalement... Voilà. Ensuite, on recommence. Il faudra celui normalement de trouver qui est dans... Voilà. Qui doit être dans le phare de Babi. Normalement, il me semble que c'est un djinn devant. Et après, on verra. Du poivre, le poivre, le poivre. Le poivre booste la chance. Tiens, ben voilà. Lui, on va lui donner un max de chance. Allez, c'est parti. Alors, là, on a l'entrée. Voilà, le djinn. Il est là. Il me semble normalement, je vais baisser le son parce que là ça me... c'est un peu trop fort. Il me semble normalement, si je dis pas de bêtises, que normalement la véritable entrée pour faire le temple, elle est en dessous. Là, on passe par... Putain, ils sont féroces. Voilà. Ah non, 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 j'ai dit des bêtises. C'est par là alors. Voilà. Non, là on descend. Ce qui me semble normalement. Parce que là on est sur la fin du jeu en plus, hein. Donc là normalement ce qu'on va faire c'est qu'on va s'avancer jusqu'à... Jusqu'au maximum qu'on peut, et une fois qu'on aura avancé au maximum qu'on peut, on arrête, on fait demi-tour, on va faire la zone obsolète en entière. Ainsi que le boss obsolète. Parce que comme c'est le boss le plus difficile du jeu, si on arrive à le battre, forcément après on aura le niveau pour affronter les boss finales du jeu, quoi. Ah merde, ouais, c'est bien ce que je pensais.
Normalement on aura les... Mais ça devrait être... je sais pas, assez simple parce que depuis le début du jeu on fait tous les combats. Je me suis pas forcément entraîné des masses, j'ai pas fait énormément de level up, mais bon, ça... Ça devrait le faire, puis de toute façon après je peux toujours faire du level up avant le combat final. Voilà. Donc là, comme on a vu, c'est pas ici qu'on chope le djinn. On va descendre ici. Donc là, on va avoir quelques combats à faire quand même, malgré tout. Sophia passe sainte niveau 26. Parfait. Donc là nous on va être obligé de je crois que je me suis trompé complet. Non c'est ça oui. Voilà. Ah il y avait des monstres dehors. Je me rappelais plus qu'il y avait des monstres dehors aussi. Ça devrait se régler assez rapidement. Il est tout seul. Voilà. Par contre, Sophia. Qui c'est qui a les objets? Je crois que Sophia a les objets de soins. Tu vas prendre un petit peu de potion parce que tu es un petit peu blessé quand même. Hein. Donc nous, on doit passer par la porte. Voilà. Voilà, il me semble que normalement... Ah oui. Voilà, au niveau de l'équipe on est comment là? Prochain combat je les soignerai tous avec de la magie. Ah ouais. Ah ouais mais si j'avance pas ça je peux pas avancer. Bon ok. Donc il faut passer de l'autre côté. Voilà. Ici on n'a pas d'entrée hein. Non on n'a pas de... Parce que c'est vraiment... Vous voyez, c'est là où il y a le bourgeon là. Faudra sortir par l'échelle qui est en haut. Par l'échelle ici qui est en haut. Faire le bourgeon, monter là. Prendre une porte qui est un peu plus haut. Ou alors c'est descendre ici. Et en après faudra descendre pour attraper Jin. Et tout remonter le temple. Après, si on s'ouvre le passage, ce sera plus rapide. Là, ils sont deux, donc on va hop, faire des dégâts un maximum. Et toi, tu vas soigner l'équipe un minimum. Là, je fais pas des masses de dégâts, l'épée vampirisme. Aïe, aïe, aïe. Ah, le plus fort est là. Ok, pas de problème. Pas de problème. Hop. Voilà. Voilà.
normalement, c'est réglé. Donc là, maintenant, on passe de l'autre côté. Hops. Voilà. Voilà. Donc là, Jean, faut échanger. Voilà. Oups là. Voilà. Et normalement on est bon. Mais je crois que c'est un combat qu'il faut faire par contre, on peut pas l'avoir. Ah oui, je me disais bien que j'avais une autre magie plus puissante en feu. Pas besoin de soigner, on va attaquer tout en magie. On devrait faire des dégâts. Il y en a un, il est de terre. Aïe, et puis il m'a bloqué la magie. Et il me bloque la magie aussi. Voilà. Par contre, est-ce que je suis bloqué tout le temps en magie? Après, je m'en rappelle plus. Non. Et là, normalement, on descend ici. Et voilà. Alors, je sais pas comment attaquer, on va attaquer en physique, toi tu vas booster notre attaque, toi tu vas augmenter, ah non, tu vas plutôt me donner la capacité d'attaquer deux fois, et toi tu vas faire un glacier, puisque, voilà. Alors ce truc qui est embêtant, c'est que s'il fuit, et on est obligé de requitter et de revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut attaquer dur celui-là. Allez, c'est parti. Boum. Boum. Maintenant, boum. Toi, tu peux pas. Hop, boum. Et toi, glacier. Voilà. Tant mieux, je préfère qu'il attaque au lieu de fuir. Voilà. J'espère qu'on l'aura sur ce tour là vraiment. C'est bon, on l'a eu. Voilà, c'est réglé. Bon, hop, j'accélère un petit peu le truc. Voilà. Donc là, on leur redonne. Voilà, et du coup normalement 600 derniers jeans, ça le compte au complet. Il restera plus que son jean à elle, qui se trouve je sais plus à quel endroit. Là on remonte. Et on tombe ici. Voilà. Je crois que son jean à elle, il se trouve dans le phare de Jupiter, je crois, je sais plus. Je sais plus vraiment. On va vérifier vite fait, histoire de pas louper les jeans. Parce qu'il en reste plus qu'un, ce serait con. Normalement, je crois que j'avais mis sur historique, non ? J'ai bug. Voilà, donc son dernier jean à elle, Rosé, il se trouve aux portes de Suala au combat. Non, c'est pas possible. Ah, la forteresse Lampa, voilà.
C'est la zone pareil optionnelle qu'on n'a pas fait, qu'on ira le faire un peu plus tard. Voilà. Juste après, de toute façon, on ira les faire après. On va au maximum qu'on peut. Et avant la fin du jeu, on part et on ira faire les zones optionnelles. On commencera donc par sauver le chef Ahmet. Le maître de Ivan. Et après, on ira faire la zone obsolète avec le boss obsolète. On peut ouvrir la porte. Sans espoir, elle ne bougera pas. Bien sûr que non, je vous avais prévenu qu'elle ne s'ouvrirait pas. Si elle s'ouvrait, ça ferait longtemps que nous serions partis étudier les ruines. Je suis certain qu'il a franchi cette porte. Je te dis que personne ne l'a jamais franchi. Giorgio, je suis désolé pour Cilia. Pourquoi ce genre de choses arrive-t-il? Pavel et les autres ont passé cette porte. Oui, ils ont franchi la porte que chacun homme normal n'aurait pu ouvrir. S'ils ont franchi, on peut y arriver, pas vrai? Oui, on va sûrement y arriver, bien sûr. Pouvez-vous y aller pour nous? Yodem, qui sont ces jeunes gens? Ils viennent du nord. Ils ont poursuivi les ravisseurs de Cilia jusqu'ici. Ils ont pourchassé ce groupe effroyable. Oui, ils sont effroyables. Quelle puissance, et ce qu'ils font semble très dangereux. Nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Ne te vante pas non plus. Vous pensez avoir la moindre chance? Bien sûr, ouais. Vous semblez bien sûr de vous, mais... que pensez-vous pouvoir faire? Je n'ai jamais entendu parole si dure dans la bouche Giorgio. Ouais, ben on va te donner une raison, il n'y a pas de souci. On va s'affronter puis ça va être réglé. Vous allez devoir commencer par me montrer vos pouvoirs. Oui, on peut suivre le même chemin que, mais là vous nous faites perdre du temps en fait. Yodem demande juste que vous reculiez et que vous regardiez. Bah, y a pas de problème, la porte on va l'utiliser, on va l'ouvrir. Y a une pancarte marquée, montre-moi ce que vous pouvez faire. Allez, reculez tous, merci, laissez-moi faire. Alors voyons voir, qu'est-ce que ça dit? Je pense que cette porte s'ouvre à ceux qui voient leur cœur. Ah, il faut un objet. Tiens, regarde. Je te donne ça si tu veux. Qui pourrait faire ça? Force peut-être. On va essayer prière. Soulever, déplacer, stase peut-être. Non plus. Vision. Ah voilà. La porte s'est ouverte, les amis. Je n'arrive pas à y croire, la porte s'est ouverte.
Incroyable, elle est vraiment ouverte. Comment avez-vous réussi à ouvrir la porte? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu nous dois 15 000 dollars. Ouais, voilà, voilà, bien dit. Allons-y, Giorgio, nous devons sauver Celia. Non, mais nous devons, nous. Pas vous deux, vous allez vous faire éclater. Eh ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Leur puissance dépasse votre entendement. Oui, on va la ramener, Celia, mais si tu pouvais nous foutre la paix qu'on commence, parce que là... Voilà. Allez, on recommence. Alors, on va sauvegarder quand même. Voilà, on va utiliser Vision normalement. Normalement, c'est censé donc traverser le phare. Ce phare-là. Et après, on est censé arriver au bout d'un moment dans le phare de... Voilà, le tunnel en ruine. On a ouvert le truc du phare de Jupiter, hein, parce que ça communique les deux. Les ruines communiquent les deux, quoi. Voilà. Nous, on a ouvert le chemin de droite. Alors, je sais pas s'il y a un truc à faire ici. Non, je crois pas. Alors, du coup, on va remettre la psy-énergie qu'il faut. Non, je voulais faire un raccourci de synergie, merci. Voilà, hop. Là, on va faire ça. Ah mais non, je suis con. Ça changera rien. Faut aller descendre d'un cran. Là, normalement, ça suffit d'ailleurs, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Donc là, nous, hop, on prend le chemin de droite, parce qu'on a ouvert le chemin de droite. Là, ça, on a juste à le pousser. Voilà. Le chemin de droite, c'est le chemin le plus rapide et le plus simple. Là, on fait ça. Alors, par contre, qu'il faut bien vérifier. Je sais plus si c'est dans ce temple ou si c'est dans un autre temple. Mais il y a une pièce cachée avec l'arme la plus puissante du jeu. Alors je sais plus si c'est Excalibur ou Mazamune. Mais je sais plus dans quel temple c'est. Vraiment, je m'en rappelle plus.
plus. On va utiliser vision alors. Ah voilà. Miden prend plate d'Ashura. Voilà, là c'est, je crois que c'est l'armure. L'armure la plus basse. Donc quoi, je crois que c'est là, ça va être là. Alors attendez. Très important, on va s'équiper de vision avec nous parce qu'on en aura besoin. Objet, l'armure, je crois que normalement. Alors moi j'ai quoi de base là en armure? J'ai paratonnerre, vêtements, résiste eau, feu, air. Mais celle-ci booste l'attaque et rend PV en même temps. Et elle me booste à 330. Donc je vais l'équiper au héros. Par contre, on va donner le paratonnerre. Alors toi, non. Parce que booste ton agilité et elle est puissante. Je vais te la donner à toi parce que toi, t'es la soigneuse du groupe. Voilà. C'est ça, hein, parce qu'après moi j'ai la chemise. Booste l'agilité, ouais voilà. Et toi tu avais quoi? Tu avais... l'aquaveste résiste au feu. Peut-être que toi on peut la donner peut-être à... voilà, qui rendra plus fort. Voilà. C'est bien, au moins on a fait un bon coup. Tout le monde est gagnant, c'est nickel. Voilà, par contre, on va, je me rappelle vraiment plus où est-ce qu'il est, et ce serait vraiment dommage de la, perdre. Donc à chaque mur, on va essayer vision pour voir s'il n'y a pas une porte. Parce que j'ai le souvenir que c'est dans une porte vraiment... mais vraiment quoi. Eh ben. Voilà. Encore. Là, on le pousse jusque là. Ou alors c'était côté gauche. Côté droite, on a l'armure. Côté gauche, on a l'épée. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle vraiment plus. Mais il y a moyen de toute façon de faire le côté gauche. Il y a moyen de faire le côté gauche après. Tiens, ça faisait longtemps. Ils attaquent en groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ça. Tornade. Et toi, tu vas nous faire une petite... tu vas nous soigner. Ça va? Bon, je vous sens, je t'entends tousser depuis tout à l'heure. Ah, du souffle. Voilà. Voilà. Yvan passe au niveau 26, parfait. Il apprend plasma. C'est pas trop tôt. Ah, c'est pas trop tôt. Voilà, donc côté gauche, vous voyez, normalement, on arrive par là, quoi. Donc là, on va faire vision. Ah, je me suis trompé. Non plus. Voilà, ben là, je crois que c'est vision aussi. Non, je me rappelle plus. Je crois qu'il faut mettre les statues au bon endroit, je crois. Mais je me rappelle plus s'il y a une couleur bien précise. Je crois qu'en fait c'est juste normal, c'est faut les remettre tel que le sont quoi, je veux dire. Voilà.
Ah, j'ai pas fait vision en haut des murs là, faudrait que je le fasse après. Ah. Après, grâce à mon bête, j'ai vraiment peur de la perdre l'arme. Non, c'était pas ça. Je vais vite fait vérifier déjà par rapport à l'arme parce que ça m'embête et je sais que normalement, normalement on peut faire le côté gauche. Hop. Voilà. Là, on passe tout ça. On a fait du chemin quand même sur les dernières vidéos. Il y a deux chemins possibles qui seront accessibles depuis la fondation du phare. Chaque chemin permet de récupérer un objet précieux. Voilà. Mais je vous indique une astuce pour ne pas tout refaire le dédale. C'est-à-dire revenir en arrière et tout refaire. À ce stade, parlez simplement de la statue pour éliminer le chemin de droite qui est moins pénible. Si le chemin est illuminé de gauche, parlez-lui à nouveau. Donc là, on arrive à la Livero où on avait récupéré le djinn de... Voilà. Il y a le poivre, la plate d'Ashura, le coffre de la salle annexe du chemin Est, la robe de l'oracle, le coffre de la salle annexe du chemin Ouest. Voilà, c'est la robe de l'oracle. Donc nous, on récupère Sirocco, on récupère la... Quoi, le machin. Donc nous, par rapport au statut, voyons voir. Ah ouais, en fait, la dorée... Ok, donc ça on s'en fout. Pour récupérer le second objet de l'autre parcours sans se fatiguer, sortez par la porte de gauche. Note, il vous faut faire ce parcours sans éteindre votre console. Poussez les statues sur l'interrupteur et utilisez vision. Près des escaliers du bas, prenez les escaliers révélés par votre psy-énergie, puis parlez à la statue au nord. Utilisez maintenant fuir et retournez dans le phare de Vénus. Entrez de nouveau dans le tunnel en ruine. Retournez à la salle des statues. Vous vous rendrez à gauche pour récupérer la robe de l'oracle. Une fois revenu dans le phare de Vénus, soignez-vous et prenez la pierre synergie. D'accord, ok. Il est sympa, lui. La soliste, il la coupe en cours de route. D'accord, donc il nous a expliqué comment faire le chemin. Et la robe de l'oracle... Ah, la robe de l'oracle, je ne me rappelle plus à quoi elle sert précisément. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on recommence tout? Je vais voir. Je vais voir. On va pas se prendre la tête. Bon, du coup, sans le vouloir... Sans le vouloir, j'ai vu l'astuce des statues, donc je vais le faire de suite. Oh, t'excites pas. Voilà. Toi, on va te pousser de ce côté. Voilà, comme ça pour bien séparer, nous laisser faire notre travail. Donc ils n'ont pas parlé de l'arme. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est déjà même une très bonne chose. Voilà, donc normalement elle va en haut, si je me rappelle bien. Sinon c'est pas loin, on n'est pas loin.
là et elle, elle va en bas. C'est juste à inverser et la statue dorée elle reste au milieu en fait. Voilà, c'est ça. Ok, direction là. Voilà, donc apparemment ce serait ici qu'on ferait... Ah putain, je m'en rappelle plus, Déjà, vision. Ok. Vision, c'est là. Là, on se retrouve au phare de Vénus. Y'a pas un délire avec What? Comment oses-tu m'attaquer? Honnêtement, on va continuer sans la robe, puisque dans tous les cas, on doit revenir en arrière faire les zones obsolètes et on repassera à la chercher après. Du coup, la robe, on va pas se prendre la tête, on refera le chemin de gauche. Il fait des dégâts. Par contre, toi, ah oui, mais je suis con, on est au phare de Jupiter, je crois que le feu ne fait pas de gros dégâts. Par contre, moi je fais des gros dégâts, moi par contre. Normalement. 92, 60. Brouillard 126. Ah yes, Médane passe au niveau 27. Je crois que pour finir le jeu, je crois que niveau 35 c'est faisable. Je dis ça, mais je m'en rappelle plus. Non, il n'y a rien par là. D'accord. Moi, par contre, je fais bien le tour partout, hein, parce que je m'en souviens plus. Et comme je vous disais... Non. Comme je vous disais, je voudrais vraiment pas perdre l'arme, quoi. Ah, mais c'est vrai que toi, t'as plasma, j'avais oublié, voilà. Et toi, par contre, tu vas nous soigner un petit peu. Voilà, putain, on n'a pas pris des masses en point de vie. Ok, pas de problème. Alors attendez. On attaque. Et toi, tu vas nous refaire un soin, mais plus intense. Oh, ben trop tard. Prochain combat, on fera un soin plus intense. Putain, on a fait 1167 points d'expérience. Putain, c'est bon ça. On va d'abord aller voir là. Vision d'abord ici. Non, ok. Pourquoi il faudrait le porter ça, je m'en souviens plus. Je crois que c'est parce qu'il faut le mettre au milieu. Ça fait le raccourci justement. Ah oui, mais non, c'est pas bon. Eh oui, parce que du coup il est là. Ah oui, mais c'est bon. Et du coup ça, on va le faire tomber aussi alors, non? Ah oui, d'accord, on est obligé d'utiliser pour le faire descendre. Ok, pas de problème. Pas de problème, ce sera fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors ça, je m'en souviens du sable, il me semble que ça mène vers la quête principale. Chose que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Voilà, lui tout seul, on va vite fait le... On va pas continuer avec lui.
Voilà, il n'y a pas une... Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Si là, il y a une porte, normalement. Il faut éteindre le sable, alors. Mais décidément... Bon, je pense que lui, normalement, en attaque solo, ça devrait le faire. Et il est solide. Ah, voilà. Ok. Le problème, c'est que j'ai peur de trop avancer, parce que si on avance trop dans l'histoire... On va se retrouver coincé, on va devoir faire le combat final du jeu. C'est ça qui est important aussi. Et oh. Tu me déranges pas là, oh. Bim. 162 de dégâts. À ton tour. Voilà, c'est réglé. Allez, Garrett niveau 27, impeccable. Allez, faut que ça monte en niveau, les amis, faut que ça monte. Couronne, couronne foudre. Oula, j'aime pas la couleur. Je n'aime pas la couleur. Couronne, rang PP. Ah, il est maudit, il est maudit. Ah, quel dommage. On n'aura plus qu'à le vendre, on peut pas le porter. On peut pas le porter. C'est dommage. Les objets les plus puissants, ils sont maudits, c'est ça qui est dommage. Mais c'est ce qui nous servirait le plus, quoi. Donc là, vision. Non, j'ai dit vision. Non, oh, y a de la baston. De la baston. Tu auras eu le temps de nous faire une belle attaque avant de mourir. Sois fier de toi. Ok, on a, y a un chemin qu'on n'est pas passé par en bas en plus. Non, pas par là. Ok, vu le peuple qu'il y a, un peu de magie ça fera pas de mal. On va faire un petit coup de nettoyage vite fait, bien fait. Avant qu'on se fasse nous nettoyer. C'est dingue, ma magie, elle est, on dirait qu'elle est pas du tout puissante, quoi. Coup de tête. Il se déchaîne. Prochain tour, je pense qu'il va y avoir du soin à faire. Patate. Allez, c'est bon, ça suffit. Alors, on va attaquer physiquement un chacun. Toi, tu vas attaquer lui. Toi, un grand soin. Je vois tous les PP partir, ça va être compliqué. Voilà. Ouais, toi, t'es mort. Non ! Wow, 154 points moins. Tu vas mourir. Oh, 1246 points d'expérience. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est des combats comme je les aime. Non. En moins que ce soit dans le 2, non, je m'en souviens pas. Non, il n'y a pas de ça dans le 2. Il y a... C'est ici, si, c'est tout. Ouais, ok, ça vous l'apporte, vision, vite fait. Non, y a rien. Oui, ça, ça déplace le sable. Voilà, ça, ça va nous permettre de faire demi-tour. Voilà.
faire attention parce qu'on va pas tarder à devoir faire fuir et éviter le combat final. Parce que on avance super vite. Un petit coup de Gaïa. Bon, toi tu vas attaquer. Non, toi tu vas faire mieux, encore mieux. Oh, et puis merde, non, la magie. Allez, on vous massacre la gueule une bonne fois pour tout à fait régler. Allez, boum! Boum! Voilà. Voilà, donc là on passe par là. Ça c'était le raccourci qu'il fallait passer, donc on était déjà passé par là. Tu vas mourir. Schrack, en deux. Version Dark Soul. Golden Sun version Dark Soul. En parlant de sous-like, les amis, j'ai encore deux nouveaux sous-like, au fait. En 2D, par contre. Ils sont en 2. Ohé, ohé. Vous me coupez la parole à chaque fois, ça va pas le faire, honnêtement. Arrêtez un peu, oh. Arrêtez un peu, s'il te plaît. Tiens, dans ta gueule. Ah ouais, dans ma gueule aussi, au passage. Ah, tu t'es sacrifié, carrément. Pas de problème, c'est bon, t'as de l'HP, t'as des points de magie, je veux dire. Et si tu meurs pas, hein, allez, vas-y, un grand soin pour tout le monde. Il est pas mort. Il est pas mort. Yvan, est-ce que tu peux l'avoir, s'il te plaît, en un coup? Voilà, merci beaucoup, Yvan. Ce petit... Oh, merde. Oh, c'est juste. Voilà, parfait. Ok, vision. Pourquoi il y a ça comme ça? Aurais-je une porte secrète? Voilà. Ah bah oui. Oh là là. Ah oui, mais attends, vision d'abord. Non, ok, c'est bon. Voilà. Tout ça là, tout ce qu'on fait, faudra qu'on le refasse. Hein. Donc c'est pas grave, on prend des points d'expérience. Mais j'ai besoin absolument de l'arme que je vous dis. Pour affronter le big boss. Optionnel. C'est important et ce serait important pour toutes les quêtes optionnelles. De toute façon, on prend des niveaux déjà d'une, donc on sera hyper balèze. Et il faut des niveaux parce que sinon l'autre ne le battra pas. Deuxièmement, il faut un équipement de malade mental parce que la première quête optionnelle, on va la torcher en 2 secondes. Et la dernière quête optionnelle, donc avec le boss optionnel que je vous disais, si on n'a pas le niveau, on va se faire éclater. Si on se fait éclater, pour moi, c'est vraiment le test ultime. Si on le bat. Si on arrive à le battre dans l'île aux pirates, là où je vous ai montré sur la dernière vidéo, si on le bat, on bat sans problème, mais alors sans problème, les boss du fin du jeu. Parce que les boss du fin du jeu, en plus, il y a une technique. Les djinns, déjà, on les oublie. On n'utilise pas de djinns. Si vous utilisez les djinns, vous baissez les stats de vos persos. Si vous baissez les stats de vos persos, vous donnez la facilité au boss de vous éliminer. Donc les djinns, on les oublie. Il faut que Sophia fasse... à chaque tour des soins. Donc il faut qu'elle ait un maximum de plein pouvoir. Chaque tour, il faut qu'elle fasse des soins. Yvan, il faut qu'il attaque tout le temps en magie. Donc il faut, chaque tour, il faut qu'il ait de la magie. Et Medan et Garrett doivent avoir un maximum de force physique parce qu'ils doivent se concentrer que sur un seul personnage. Dès que le premier personnage est éliminé, on peut affronter le deuxième. Par contre, attention, il y a plusieurs combats. Comme tout vrai RPG qui se mérite, il y a plusieurs combats de boss à la finale quoi. Il y a plusieurs combats qui s'enchaînent. Et je peux vous assurer qu'il faut les enchaîner les combats. Parce que là, là c'est chaud.
J'en ai un petit peu bavé pour le finir. J'ai fait tout le jeu sans problème, mais le combat final de Golden Sun, j'en ai un petit peu bavé. Sophia passe au niveau 27, c'est excellent. Excellent pour la santé, je me sens beaucoup mieux. Par contre, niveau vie, on a de quoi se soigner au prochain combat. Et on va faire une sauvegarde. Là, on fait une sauvegarde, par contre, les amis, parce que j'ai vraiment trop peur d'arriver... Là, il y a une astuce à faire. Ça envoie deux traits. C'est bon, j'ai l'astuce. Non, je n'ai pas l'astuce. Eh bé, tu vas pas pousser. Qu'est-ce qu'il y a, t'as mal au dos toi aussi? Ouais, c'est fait les amis. On n'en parle plus, là on fait vision, il n'y a rien, on se casse. Vision, il n'y a rien, on se casse. Enlève-moi la vision par contre, parce que là j'ai besoin de... d'y voir plus clair. Ah. Arrêtez de me harceler les amis, je veux ma... une épée. Parce qu'en plus, une fois qu'on récupère l'épée, celle que moi que j'ai là, on va la donner du coup à Gareth. Parce que... Putain, je m'en rappelle plus ce que c'est comme épée. Depuis tout à l'heure, je vous parle. Je me concentre sur le jeu, je me concentre sur le truc, je fais tout en même temps. Et depuis tout à l'heure, j'essaye... Oula. 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 Oula, oula, oula. Alors là, là par contre. Hop, tiens, juste de quoi te faire tenir. Toi tu attaques. Toi tu attaques. Et toi, gros soin. Ouais, du coup ça va te soigner. Ok. Du coup, gros soin tout le monde dès maintenant là. Parce qu'on va pas jouer au fond. Voilà, ça n'a pas soigné totalement l'équipe, mais ça ira. Je crois que le sable, on doit le basculer en plus. Vision. Non. Mimique. Ah non. Écaille de dragon. C'est pas maudit, résiste. Eau et feu. Défense, par contre l'attaque je perds, je passe de 336 à 329. Papa pi papa ta, ta, da, da, da. Booste l'attaque, rend les PV. Non, moi je vais garder ça. Je vais garder ça. Et ça tu vas la donner. Boost. Résiste eau et feu. Toi c'est quoi toi déjà? Toi, c'est un truc qui résiste à l'eau et le vent, je crois. Ah bah t'es pas autorisé, je suis con. Bah oui, hein, on te la donne à toi, mais le problème c'est que toi t'as une équipe, t'avais une veste de malade mental aussi. La Shinobi. Fais voir si on peut la donner à quelqu'un.
Non, toi tu gardes un truc, par contre toi on te le donne à toi, oui. Ah ouais. Booste l'agilité, résistance à l'air. Je suis de l'air, mais bon, c'est pas grave. Ça, on est d'accord, c'est un chemin. Oui, bon, si tu veux, on re-sauvegarde, voilà, c'est fait. Il y avait un jeu de balance. Je me rappelle plus s'il fallait que ce soit égal ou pas. Bah oui, si, merde. C'est moi qui est con. Eh bien, descends-le! Je crois que d'après mon niveau, lui va là parce que lui ne donne rien. Lui, on est bien d'accord. Hein. Putain, je veux pas louper l'épée, j'ai peur. Parce qu'il y avait un autre chemin qu'on avait à faire hein, deux fois déjà. Moi, je m'en fous, ouais, je fais demi-tour, hein, on refait tout le jeu le temple. Alors là, code chip. Je veux mon épée. Hop, un raccourci. J'ai fait ça pour rien parce qu'il faudra recommencer. Éruption, d'accord, pas de problème. Monstre de feu. Pas de problème, ok. Ok, attaque physique. Attaque physique, c'est tout ce que tu peux faire. Toi, attaque physique parce que tu peux faire noyade. Toi, glacier, tu vas le démonter. Ah oh ben voilà. Donc là, on appuie sur le bouton. Ce qui fait cracher le sable. Ah ouais, pour récupérer le chemin en bas, exact, ouais. J'avais oublié ce chemin. On va se déchaîner sur toi, mon pote. Ok, maintenant... Petit tour de magie sur comme ça. Est-ce que t'en as appris d'autres? Fumber, mer de feu, tempête de feu, feu, boule de feu. Non, eruption. Plasma. Soin minime. Tant que Médani a des PP de nous soigner, qui c'est qui avait besoin de soins? Toi, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Voilà. Là. Ok, c'est là où on a ouvert le sable. Ah ouais, c'était le raccourci. Là, c'est pareil, il y a un truc à faire là. Yes. C'est pas la plus puissante. Hein. Officiellement, quand vous avez celle-ci, vous êtes censé avoir la plus puissante. Mais c'est pas la plus puissante. Elle est planquée la plus puissante. Bien évidemment, comme à chaque jeu d'ailleurs. Donné à toi forcément. Voilà. Voilà, donc, on est sur le bon chemin pour avoir Excalibur ou Masamune, je sais plus. Hop. Ah non, autant pour moi, c'est plus tard. Ah ben, on va pouvoir tester mes épées. 105, ouais. Noyade direct, 90, brouillard direct, ok. Personnage IP, aqua choc, bon, tout le monde fait les pouvoirs avec les épées. Mais Dan, on aimerait voir ce que vaut ton épée avec le pouvoir, s'il te plaît. Lame titan. Ouh, que c'était beau. 174 de dégâts. Ah, voilà. Oh putain, 444 de PV. Urgence, soin total. Je répète, urgence, soin total. Soin majeur pour toi, je répète, soin majeur pour toi. Toi tu attaques. Oh pitié, toi tu vas nous soigner à nous tous. Voilà. Ouais, d'accord, c'est lui qui le tue avec sa plus petite attaque. C'est pas grave, on soignera l'équipe après. Je sais plus par où je suis arrivé. Est-ce qu'on a fait vision là? Ouais. Ok, donc là, on a 4 pierres. On a 2 chemins qui se fait. Le chemin il est pas bon. Il y a aucun qui fait comme ça. Il n'y en a aucun. Donc forcément, on part sur ce chemin. Donc j'ai besoin de celui-là. Putain, ça va être super long à déplacer là. Sans en faire tomber dans un trou, bien sûr. Voilà. Là, hop, on peut pousser avec la vitesse, ça fera gagner du temps. Voilà. Ok. Tac, 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 tac.
Maintenant ici. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Toi, tu viens avec moi. On peut utiliser la vitesse, voilà. En suivant... Donc c'est toi. Juste dès qu'on a fait ça là. Parce que je crois qu'une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de le faire par contre ça. Donc dès que ça c'est fait, on sauvegarde. Parce que on va pas tarder à arriver à ce que je vous dis, l'arme secrète. Et je crois que... Et je crois que on arrive à la fin du jeu aussi derrière. Bon, normalement c'est bon, c'est ça. On gagnera pas là le jeu. On est trop faible. Je crois que c'est là-haut. On a le raccourci là-haut. Ouais, on est censé descendre, on est d'accord. Mer Gaïa. Éruption. Choc. Soin. Descends 8 points. Et tu vas me le payer. Vas-y, déchaînez-vous sur lui. Ah, t'as pas d'objet toi pour te soigner? Ben, attaque, et toi par contre... Voilà. Allez, esquiver l'attaque. Hein. Yes. Bien joué, petit. C'est quoi ce bordel? Ça, s'il faut sauter dedans, je crois, après. Alors, deux chemins s'offrent à nous. Non, j'ai pas envie, vas-y, défonce-les. On va accélérer le combat parce que je veux vérifier le combat. Le chemin juste après derrière. Tout en... Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. On y va à l'attaque après. Attaque. 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 Toi par contre. Souhait pour tout le monde. Voilà. Voilà, t'as perdu tes 150 points de vie, maintenant on t'achève. Oh bah là c'est bon, t'as buté.
231 points de vie, 1146 points d'expérience. Allez, boum, niveau 28. C'est excellent. Donc là, on a ce chemin-là. Voilà. Qui nous fait monter. Non, je veux pas. Parce que le haut du phare, c'est... C'est la fin. Donc... Bah vas-y direct, toi tu prends ça dans la gueule direct. Voilà, c'est réglé. Je veux savoir ce qu'il y a en bas. D'accord, ok. Eh oui, on était passé par là, exact. Ok, Masamune, direction là-haut. Toi t'es mort, 277. Ils ont été un petit peu massacrés les monstres là. Ouais non. Non, 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 non. On va faire fuir. Alors ça doit être dans un autre jeu, c'est pas possible, ça doit être dans Final Fantasy alors. Je vais vite fait, mince. C'est quoi ce bruit? Je vais vite fait m'en renseigner si ça vous dérange pas, vite fait. Je suis persuadé qu'il y a allié dans Golden Sun. Golden Sun. Ouais, trop dur la page, s'il te plaît, parce que... La Masamune, une lame lumière introduite dans The Lost Age. Ah, voilà. D'accord, ok. En fait, la Masamune, elle n'existe que dans... Dans l'âge perdu et dans l'homme cendre. Voilà. Mais si, c'est marqué là. Anecdote. Dans Golden Sun original, une arme cachée dans le code du jeu nommée Masamune peut être vue. Trouvée soit à travers soit dans les salles de débogage. Qu'est-ce qu'il veut dire par salle de débogage? C'est quoi? Mais non, vous êtes sérieux? Quoi?
Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah ben non, en fait non, ah non, non, c'est des codes Action Replay pour pouvoir atteindre le... Non, en fait, elle n'y est pas dans Golden Sun 1, en fait. Elle a été créée au début, mais pas, elle n'a pas été disponible. C'est à partir du 2 alors qu'elle est disponible. La lame mithril. Bon, on va faire un truc simple, on va pas se prendre la tête, on va marquer directement arme supérieure Golden Sun 1, tout simplement, non? Il va forcément nous le dire, mais il me semble que moi je suis persuadé d'avoir trouvé une arme comme ça une fois. Ok, lame d'argent, lame Gaïa, c'est ce qu'on a. Au niveau H, la Draco H. Celle-ci, on l'a pas trouvée. Rapière, lame tueuse, lame mystère, lance vampirime. La rapière effilée, je l'ai pas trouvée. Alumpa, la Libero, Ninja, tout, lance cyclone Alumpa, lame de vitesse, puissance 10 à la Libero. S'il était pas, c'est un bon pour un con. Hein. À moins qu'il faut revenir, masse bénie, bâton de cristal, lance noyade, oui, ça c'est ce qu'il a. Et masse bénite, c'est ce qu'elle a la petite. Et nous, là actuellement, lame d'argent, c'est ce qu'a. Comme il s'appelle le gars là et l'âme Gaïa c'est ce qu'a Medan. Ouais donc il y a pas de y a pas de y a la Shamshir attaque plus 99 et lance corrosion à Lumpa caverne il y a rien il y a même pas d'armes dans le l'île aux pirates lance vampirim oui on est d'accord. Ah mais la hache justement, elle est pas dans l'île aux pirates. Non, elle est à Lumpa. Ouais, donc il faut qu'on se barre à Lumpa absolument. Il faut faire vraiment les quêtes à... Il faut faire vraiment ça, quoi. Les armures, la paratonnerre, la défense, l'écaille de dragon, gants de fer, chapeau leurre, robe de l'oracle. Robe de l'oracle, justement, défense plus 43, résistance, et récupère 10 PV par tour. Bouclier miroir, dupe un ennemi. C'est bizarre parce qu'il me donne des noms de villes qu'on est déjà passé, mais ça me parle pas. Franchement, ça me parle pas. Courant de foudre, hein, ça, malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais. Ok, bon, pas de problème. Donc, il n'y a pas de Mazamune. Ok, bon, ben. Moi, je suis persuadé qu'il y avait la Mazamune. Je suis persuadé qu'il y avait la Mazamune. Bizarre. Le problème, là, on va sauvegarder. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je fais ça... Voilà, on est à la fin du jeu. Donc là, on va quitter le jeu et on va relancer le jeu et on va se casser faire les zones optionnelles. Voilà, donc là, non, 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 je veux pas... Je veux pas, comment on fait? Quitter, quitter, quitter. Est-ce qu'on peut le relancer depuis là? Reset. Tu veux un coup de main? Fais-moi un bisou. Ah oui, il est très tard. Fais-moi un bisou normalement, s'il te plaît. Allez, vas-y. Hey, regarde ce que tu fais. Voilà.
Allez, on est go. Tic, 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 tic. Phare de Vénus. Dommage qu'on peut pas mettre un téléport. On le met ici, comme ça on fait ce qu'on a à faire et après hop, on revient. Du coup. Synergie. Fuir. Utiliser fuir. On s'en va. Ah ouais, d'accord. T'es sympa toi. Donc on va faire fuir ici alors. Oui. Non, absolument pas ça. Faut regarder dans la pharmacie alors. Fuir encore. Donc là, on a fait tout le temple final, on a fait tout, on est arrivé au combat final. Putain, mais on va faire que ça, fuir à chaque fois. T'es sérieux, toi? Voilà, merci. Par contre, toi, tu peux pas me donner le truc de Tolbi. Parce que je suis en train de penser là. On fait comment pour atteindre. Putain. Là, par contre, les gars, je commence à en avoir juste. Hein, parce que je voudrais juste gagner du temps. Là, vous êtes en train de me les. On va accélérer les combats vite fait parce qu'ils sont en train de me gonfler là. Je vois le temps passer. Attends, mais on va faire comment pour remonter jusqu'à Lumpa? Il va falloir m'expliquer. Parce que je me rappelle, il y avait téléportation. Normalement, il y avait un moyen de se déplacer plus vite sur la map. Je vais faire comment moi pour atteindre Lumpa? Il n'y a pas de chemin. Je l'ai fait pourtant. Je m'en souviens de l'avoir fait. Lumpa. Téléportation, il n'y a pas, comment faire? Attends, 30 secondes. Ouais, non, lui il part sur un autre. Tu te fous de ma tronche, toi? Je l'ai pas eu. Au secours, je trouve pas la synergie téléportée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Au phare de Mars, moi aussi je la cherche, faut avancer dans le phare, merci, c'est tout. On va aller voir ailleurs. On parle bien de Golden Sun là.
Vous êtes sûr? Start et L. T'as fumé quoi, toi? Ah non, Start et L, je suis con, c'est ce côté-là. C'est moi qui fume. Non, mais moi, je suis désolé. Il faut la téléportation. Merde, c'est en anglais. Dites pas qu'on a oublié le lapis de téléportation. Le lapis de téléportation est un objet de synergie utilitaire présent dans Golden Sands, The Lost of Ash. Mais non, mais arrêtez avec Lost of Ash, vous me gonflez avec celui-là à la fin. Alors on va dire Lumpa, comment on fait pour atteindre Lumpa? Putain, on perd gavé de temps à cause de ces conneries. Salle cachée de la caverne de Biliba. Ouais, on n'y gagne pas grand-chose. Oui, et l'île aux pirates. D'ailleurs, comment? Non, c'est pas vrai, t'es un mytho déjà. Vous devez être en position de la synergie camouflage et stase. Pour compléter le donjon, non, il faut aussi soulever, mais bon, c'est pas grave. Ah bon, si tu veux, allez, vas-y. Bah, je sais pas comment on fait. Il va falloir qu'on se refasse tous les chemins. C'est pas grave, on s'en va nous faire de l'XP, mais vraiment, j'ai un énorme doute parce que. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que je retraverse le désert et tout? Non, c'est pas possible, il y a forcément un moyen. J'ai du mal là, franchement. J'y crois pas trop. Est-ce qu'on a. Non, on a personne à trouver bien. C'est bon, c'est bon, merci, on se casse, ciao. Obligé. On va se reposer pour que tout le monde soit bien. Voilà. Non, franchement, j'ai un doute. Il me semblait qu'on avait. Elle ou pas, c'est super loin, sans déconner. Enfin, moi, je m'en fous, perso, mais. Toi, c'est pareil. Normalement, il y a une astuce pour t'endormir, mais bon, c'est pas grave. Attends.
Ici, on va aller voir les fameuses armes, du coup. Wow. Ah, je vais donner ça à tout le monde. Non, ça, c'est bon. C'est ici, alors. Espadon. Hop, relique. Lame arctique. Épée de vitesse. Pâle, lance résonance. Non. Il n'y a pas. La seule qui vaut 16 000, elle est maudite. Persuadé qu'il y a un moyen à lui de... Avec camouflage peut-être ? C'est comme ça par terre. Donc je vous disais, donc ouais voilà, on s'en zoom, d'accord. Nous on est là, position actuelle. Lumpa, c'est là. Donc Volt, calé, de là il n'y a pas de souci. Et Quête Calée, il n'y a pas de souci. Mais pour traverser la mer là, ici, là, ben là, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Là, honnêtement, je sais pas comment on fait. Le phare de Vénus. Celui-là. Passage de Gondawaman. Les Ketobi, les bateaux sont bloqués. Bon, peut-être que les bateaux sont redébloqués, peut-être. Et on peut y retourner, on va voir. Mais du coup, sur la route, on va faire d'abord la tornade, alors. Ça vaut mieux. Hop, nous, on passe le phare, on s'en fout. On les laisse mourir. Tant pis pour eux. Salut Zek, ça va? Donc nous, on part direction, du coup, la tornade et porte du ciel là. Hop, hop, hop. Je crois que normalement le premier, on peut rattraper. Non. Ah merde, non, rien à voir. Hop, 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 hop. Oh bah là, lui, il est mort. Voilà. Voilà. Garrett passe au niveau 28. Excellent, parfait. Tu vois, ça va nous permettre... Ah oui, 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 bah ça fait une sacrée trotte. Oui, c'est ça le problème. Mais ça va nous permettre aussi surtout de faire des niveaux. Hein. Ça c'est clair, net et précis. J'ai pas le souvenir de cette grotte. On était passé par là? Non, je me rappelle plus.
Ah si, je crois qu'on était passé par là. Ouais. Le pire, c'est que ça fait longtemps, donc en plus, il faut se rappeler de la route. Il faut se rappeler toute la route et tout ça. C'est pour ça que du coup, pour l'instant, si la zone optionnelle, là, avec le boss optionnel, est sur notre chemin, on va faire ça en premier. Hein. On va faire ça en premier. En plus, le problème, c'est que l'heure tourne. Donc je pense qu'on va faire ça en plusieurs vidéos encore. Ce sera pas tout de suite la fin de Golden Sun, les amis. Puis là honnêtement, niveau 28, on n'a pas tous les djinns. On a pas le niveau de les affronter. On n'a pas le niveau. Ce qui me semble en plus que dans mes souvenirs, je crois que Salamandar, il a une attaque qui lui permet de nous enlever facilement, je crois, presque 200 points de vie à chacun d'entre nous. Ah, c'est ça, c'est le bateau, moi, je voulais. C'était le bateau que je voulais, moi. C'était le bateau que je voulais, moi. Voilà, perso, on fera pas de magie parce que bon, vous êtes beaucoup plus faible normalement. Donc là, c'est le dernier tour en physique, quoi. Putain, non, en fait, vous tenez le coup, hein. Ah, vous tenez gavé le coup, en fait. Bien, c'est joli, c'est joli. Au moins ça, dans tous les cas, on s'en fout parce qu'on est... Même si on se fait une énorme trotte, même si on fait énormément de chemin et tout, entre-temps, il va y avoir des combats. Donc du coup, ça va nous faire des points d'expérience et du level up. Déjà, moi, ça me fait gagner du temps. Ça évite, hors live, de faire du level up. Donc non, je crois qu'on descend normalement. Après, si on veut en finir plus vite sur les combats, on fait ça. Voilà. Par contre, non, toi, tu vas nous soigner, par contre. Ah putain, à chaque fois je pense ça comme si c'était des raccourcis, c'est pas des raccourcis. Voilà, t'es mal. Et je t'ai persuadé qu'il y avait la Mazamune hein, dans celui-là. Je suis persuadé qu'il y avait la Mazamune. On me l'enlèvera pas, il y avait la Mazamune. Persuadé. On peut même pas se reposer dans le lit, c'est mal fait, méchant là. Ça c'était les gardes au début, donc on avait croisé, et là on va pas tarder à tomber sur le désert. Voilà. On continue par là. Ouais, c'est ça. Là, par contre, nous, on va sauvegarder. Voilà. En plus, normalement... Ouais, c'est du level up gratuit. En plus, normalement, si je m'en souviens bien, on n'a pas besoin de faire une partie du temple optionnel puisqu'on l'a déjà fait.
Donc normalement on n'est pas... C'est pas obligé. Ouais toi adieu. Quoi? Ouais, si j'y pense. Voilà. Encore, c'est possible que tu me remplisses la bouteille d'eau, que tu me la ramènes. Ouais, si tu veux. Choisis ce que tu veux, je m'en fous. Hop, on va faire la tornade. Je crois que c'est pareil, une fois qu'on a fait la tornade, qu'on a fait l'île aux pirates, je crois que la tornade on peut faire la synergie humide là, pluie, et hop, ça nous fait oui, du coup oui, c'est vrai qu'il faut hop, voilà, synergie. Tac, je crois qu'on l'a deux fois. Ah non, trois fois. Ah bah dis donc. Voilà, là, hop. Si j'aurais pu sauvegarder, ouais. Tac, on va rééchanger nos synergies. Voilà. Ah, j'avais pas vu l'équipe. Est-ce qu'on a de quoi se soigner? Est-ce que toi t'as des trucs de soins? Non. Est-ce que toi t'en as des trucs de soins non plus? Il y a que toi qui a. Ah ouais, mais t'as 5 potions. Bon, remarque, vous me direz. Vous me direz. Non, attends. Les potions, on les gardera vraiment pour les moments les plus critiques. D'ailleurs, je propose que les potions, tu les files. Voilà, parce que si un de vous deux est KO, l'autre peut soigner les autres. Et en attendant, tu vas faire ça. Voilà, ça devrait aller pour à peu près pour tout le monde. Ouais, sauf pour Yvan. Voilà. On va faire une petite sauvegarde. Ça fait toujours du bien. Voilà. Et je crois que normalement, c'est le premier. Voilà. Ça, c'est le raccourci pour sortir. Voilà. Et normalement... Normalement, je dis bien. Après, c'est pas grave. Mais normalement, c'est déjà fait. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à descendre jusqu'à où on était bloqué. Donc si vous voulez, hop, je peux faire la vitesse, comme ça on gagne du temps. Voilà, c'est là. Ok. Là, on sauvegarde. Parce que mine de rien, j'ai fait très très vite, j'ai utilisé la vitesse. Mais mine de rien, on a descendu beaucoup d'étages. Voilà, alors, à partir de là, il nous fallait la synergie soulevée. Synergie soulevée qui est là. Voilà. Et là, il fallait bien calculer notre coût parce que du coup... Oui, donc là, c'était... Putain, je m'en rappelle plus. Je crois qu'il faut la déplacer plusieurs fois, elle. Parce qu'on a un coffre à récupérer. Voilà. Voilà, un porte-bonheur. Pourquoi ça nous fait venir ici alors? Ah mais si, je suis idiot.
attendez. On va faire plus simple. On va faire plus simple. Vu que le coffre a été récupéré. Hop, voilà. Par contre, j'espère vraiment que même niveau boss optionnel... Merci beaucoup. J'espère que même niveau boss optionnel, on a un sacré niveau. Parce que... Déjà là, pour moi, vu le niveau qu'on a... On les bat pas, les boss. Les boss, franchement, on les bat pas. Ça c'est génial, cristal psy c'est très très bien. Non mais à chaque fois il faut quitter le... Parce que la suite, là, il y a un coffre ici. Ah non, il y a là. Voilà. Eh oui. Mais attends. Eh oui, mais... Et oui, mais ce coffre-là, pour les récupérer, pareil, il faut quitter le temple, la porte et faire une autre manœuvre. Hop, voilà. Voilà. Et celui-là, pour le récupérer, si je m'en souviens bien, semble bloqué, bien sûr. Non, on fait ça ici. Voilà. On le déplace comme ça. Hop. Désolé, j'ai voulu faire vite et ça a fait des bêtises. On fait ça. On le déplace là. Voilà. Là, on fait ça. Ah mais oui, mais c'est pareil, je suis con, je fais comment pour monter ? Non, c'est l'autre qu'il faut tirer jusque là-haut. Non, c'est pas possible. Si je fais ça comme ça, non, je peux pas grimper dessus. Pas à hauteur. C'était quoi l'énigme de ce petit coffre déjà? Peut-être qu'on se prend la tête ici, en fin de compte c'est même pas ici. Non, si, c'est ici. C'est sûr que c'est ici.
tout simplement. Masse du chaos. Celle-ci, on l'a pas vue tout à l'heure. Elle a l'air maudite. Malheureusement, elle a l'air maudite comme arme. Maudite. Lance toxique. Voyons voir si on l'aurait donné à monsieur. Oh putain, 335. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas moyen de démaudir une arme, quoi. On va regarder vite fait. Non, je crois pas qu'il n'y a pas de moyen. Hein. Comment on dit? On dit pas démaudir, on dit... exorciser une arme. Non, là c'est autre chose que vous me donnez, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ouh là là, on part sur autre chose. Arme maudite. Je suis con, j'ai oublié de te dire maudite. Parce qu'à mon avis, si elles sont là, c'est qu'elles doivent pouvoir être utilisées, non? J'ai trouvé une arme maudite, Muramasa, dans un coffre, je sais quand. Personnage, je le dis, personnage vraiment maudit, que dois-je faire pour qu'il la rejoigne? Forme prête, ou porte l'anneau clérical. Justement, quand l'équipe, un personnage a l'arme que je vais ensuite ouvrir le prêtre, la seule chose qu'il me propose, c'est de l'enlever l'arme maudite. Alors que moi j'aimerais bien utiliser cette arme. Impossible. Je vais donc être obligé de la vendre. Tu pourras l'utiliser normalement, mais uniquement grâce à l'anneau clérical que tu trouves à la toute fin du jeu. D'accord, ok, ça marche. D'accord, ça marche. Ok les amis, ça ne sert à rien. Et la cam a planté. Hop, voilà. Non, elle a toujours planté la cam. Le jeu a planté. Ah d'accord, c'est tout le jeu qui s'est figé, d'accord. C'est bon? Ah ok. D'accord, en fait, excusez-moi, tout avait figé. Ok, c'est bon, ça a repris normalement. Ça m'énerve quand ça fait ça. Alors attends, hop, on se remet mieux par rapport à mon dos. Alors, purifier ou bénir une arme. On trouve un équipement qui est protégé contre l'effet de la malédiction. Ouais, c'est ça, mais à la fin du jeu apparemment. À la toute fin du jeu. Je vais essayer de remettre la cam un peu mieux parce qu'elle est dégueulasse. On le trouve apparemment à la toute fin du jeu. Oh ben c'est encore pire. D'accord, il va nous faire chier en fait la cam.
Voilà. Ok. Alors, donc du coup, là, on a réglé le problème. Hop, on s'en va. Ouais, mais du coup, à la toute fin du jeu, ouais, c'est pas vraiment utile. On aura trouvé d'autres armes. Donc j'avais bien raison, au passage j'ai regardé un petit peu sur Google là vite fait. Il y avait bien trois armes hein, qui ont été débloquées, qui ont été bloquées, qui ont été en fait comme projet au début et après elles ont été annulées carrément. Il y avait la Masamune, il y avait une autre arme, une Ichigo ou Ichi, je sais pas quoi, et la lame terre. Mais les deux ont été, les trois ont été annulés. Elles sont dans le code jeu. Donc si tu les veux, il faut faire le code action and replay. J'ai pas l'intérêt, parce que déjà la lame Gaïa apparemment est plus puissante. Donc pas besoin quoi. 770 pièces, voilà c'est fait. Hop là, le raccourci. Allez, on continue les amis. Putain, il y a encore une énigme. Allez, c'est parti. À chaque porte, il y a un boss. Donc là, on va commencer, on va faire un petit tour magie, histoire de voir les dégâts. Et après, on booste l'équipe. Et là, on en prend des points d'expérience. Là on en prend beaucoup des points d'expérience. Ouh, jolie l'attaque, jolie. Aucun a lâché le con. Ok, ça marche, pas de problème. Et bien on va commencer à faire les attaques puissantes. Donc toi tu vas faire ça. Toi, Forge, tu vas former à augmenter l'attaque du groupe. Booster l'agilité du groupe. Non, toi, tu vas soigner le groupe. J'avais pas vu le point de vie. Voilà, impeccable. Voilà, en suivant moi, hop, j'attaque. Toi tu vas booster la défense du groupe. Toi tu vas attaquer avec ta magie. Et toi tu peux attaquer avec ta magie aussi. Bon voilà, là on va lui faire des dégâts là. 303. Hey, il tient le coup. Il tient grave le coup. 26 de dégâts, c'est bon, ça marche. Ok, bah c'est pas grave, on continue les attaques. Augmente notre défense. Augmente notre attaque. Re-attaque avec l'acier. 221 points de dégâts déjà, moi je fais. Oh, putain, 102 points de dégâts. Mais heureusement que j'ai mis défense. Voilà. Ah, oh, merde, il m'a maudit. Ah, ben là, malheureusement, là, il faut en finir très vite. Là. On va faire un tour complet en attaque. 247 de dégâts je fais.
on attaque. On attaque. Tu boostes l'attaque du groupe. Tu soignes tout le monde. 250, c'est bon, on l'a eu. Et on a gagné 2576 points d'expérience. Sophia monte au niveau 28. Et on gagne une eau de jouvence. Parfait. Ok, nickel. Par contre, là, je veux qu'on soigne l'équipe. On va soigner l'équipe avec ta magie à toi. Ah, c'est bon, tout le monde est soigné. Alors là, c'est quoi l'énigme? D'accord. Bon, d'accord. Ben là, on voit direct. Hein. Pourquoi j'ai eu des dégâts? Attends. Il y a un piège là. D'accord. Merde, je vais y arriver. Voilà. Ah ah. Ok, d'accord. What? Comment allait la vie là? Pourquoi c'est Gareth qui morfle? Ah, il est empoisonné, Gareth, d'accord. Oh, mais quel fou, je comprenais pas. Antidote. Oh là là, pauvre Gareth. Attends, on va utiliser une potion parce que sinon on n'aura plus de magie. Je comprenais pas, j'ai dit, mais pourquoi je saute comme ça? Somnifère, ouais, personnellement j'ai pas l'utilisé quoi. Là on fait ça, mais je crois que le dragon, il va y avoir un truc avec le dragon, je crois. Non c'est bon. Là on fait... Attends, je sais plus. Je sais plus parce que sinon on se fait... Attends, est-ce que je peux vous faire le coffre déjà par derrière là? Oui, impeccable. Donc déjà on est bon. Ah oui, bah oui, pardon, oui. Oui, j'ai pas vu tes messages en plus, tu m'avais prévenu, ouais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc voilà. Ok, donc là il faut faire demi-tour. Ah, tu m'as prévenu, j'ai même pas vu les messages, quoi. Je suis désolé. Ouais. Ah oui, bah oui, bah oui, bah non. Voilà, tout simplement. What? J'ai pas une magie de feu en plus pour le... J'ai une magie pour fondre la glace. Inondation peut-être. Non. Non, c'est oh oh. Peut-être en faisant téléportation? Non.
Ah, le coffre, il fallait peut-être le faire après, peut-être. Ou alors, attendez, on va ressortir, on va recommencer, c'est pas grave. Voilà. D'accord, donc... Là, on va laisser, voilà, comme ça. Oui, on va sauvegarder, comme ça, c'est fait. Voilà, on va faire, donc... La free mass... Voilà. Là on fait ça. Là on touche à rien, on fait ça. On fait ça. La seule chose qui est dommage, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de boss ici. Je veux dire, il n'y a pas de combat aléatoire. Donc pas de montage de niveau, quoi. Donc là, on fait free mass. Voilà. Non, je me trompais. Free mass. Voilà. On récupère ça. Anneau clérical à Gareth. Bah, je croyais qu'on l'avait à la fin du niveau. Du jeu. Annule la, les malédictions. Équipé à Gareth alors. Voilà. Et du coup, Gareth. Elle est où l'arme? Ah ouais. Et donc du coup, donné à Gareth, équipé. Vous êtes maudit. Ouais. Ouais, ça va envoyer du bois, sauf que là, il vient de me dire que je suis maudit. J'ai un peu peur. On va voir. On va voir, je vais trouver. Attends, par contre, du coup, ton anneau, toi. Utilise, augmente l'attaque. Donner. Donner. Si je fais ça, voilà, d'accord, oui, mais moi j'avais quoi alors? Anneau féerique agit comme élixir. À ce moment-là, ça, je peux le donner à Gareth qui l'utilise, parce que lui, il en avait pas, lui. Voilà. Ah, et je crois qu'en combat, en fait, il faut un tour, je pense, pour que l'anneau agisse. Il faut un petit tour pour que l'anneau agisse. Et après, Gareth, il peut attaquer juste après, alors. Ah ben, parfait, je me fais rembourser de ma potion. Par contre, oui, ça va envoyer du steak, parce que voilà la puissance d'attaque. Et en plus, ça lance empoisonnement. Voilà puissance d'attaque. Hop, on sauvegarde. Il me semble que le boss optionnel, il est quand tu arrives vers un bateau, il me semble. Vas-y, juste pour le style, je veux voir les attaques physiques là. En espérant qu'ils font le... Ah, je voulais voir la magie, moi. Lance missile. Putain, mais... Ils sont énervés, les mecs, là, hein. Ah ouais, tu vois, ça, automatiquement, je peux attaquer. Lethal weapon. Perd 136 PV, perso infecté par du venin. Impeccable. Ah, putain, ça va envoyer du steak, là. Oh, le combat final, comment il va pleurer. Oh, comment ils vont pleurer, je crois. Ok, donc moi je vais re-attaquer, mais avec Ragnarok. Je vais attaquer celui-là. Toi, merde, on les avait pas...
la bêtise du siècle. Bon, mais garde majeur comme ça. Attaque physique comme ça. Et toi, tu vas nous soigner. Je pense que elle, vu que j'ai merdé, je pense que elle, elle va nous soigner en mode normal. Oh putain. Oh, t'as vu le poison, ça lui a enlevé 440 points de vie. Oh les dégâts. Oh le dégât quoi. Bon moi je continue avec j'aimerais bien faire une attaque physique. Toi du coup tu vas continuer avec la garde mage. Ah non 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 non, je fais des bêtises. Je fais des bêtises, autant pour moi. Quartz. Voilà. Toi tu vas continuer à augmenter notre défense. Et toi je sens qu'on va avoir besoin de se faire soigner, donc vas-y. Voilà. Pourquoi ça l'a pas ressuscité? Putain, 440 points à chaque fois. Pourquoi ça l'a pas ressuscité? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non. Bon, vas-y, on va attaquer dur. On va attaquer super dur. On leur fait mal. J'aurais voulu qu'ils soient empoisonnés aussi. Ça aurait été trop marrant, les deux en même temps. Ouais, moi aussi, tu vois, j'y ai pensé, empoisonner les deux. Donc là, maintenant, on va faire créer une barrière de terre qui va nous protéger encore. Paralyse un ennemi, braise rend les PP du groupe. Pénètre la défense. Je sais pas, je m'en fous, qu'importe. Ouais, ben voilà. Toi, du coup, toi, il faut que tu diminues l'attaque, voilà. Cerber peut voir à nouveau, mais c'est pas un problème. Parce que du coup, moi j'en suis à 1, 2, 3. Basalte, je vais l'empoisonner à lui aussi. Toi tu es à 1, 2, 3, 4, donc boum. Météore. Toi tu en es à 2, endors un ennemi, rend les PV au groupe. Voilà. Voilà, il est les deux sont empoisonnés du coup maintenant, c'est fait. Ah ben il y en a un qui est mort, ça y est. Voilà, c'est pas là il va prendre cher. Là il va prendre cher. Terminé. Affaire réglée. 3726 points d'expérience. C'est dommage, il loupe ça, Yvan. Quel dommage. Quel dommage. Allez, on va ressusciter Yvan. Moi j'ai 3 cristal psy. Toi tu en as combien? T'en as 2. Ben, chacun va en garder un peu. Je vais utiliser ma magie, je vais soigner tout le monde.
puis on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Par contre, les monstres, ça commence à devenir de plus en plus dur à chaque fois. À chaque porte, ils deviennent costauds, les boss. Je crois que c'est le dernier. Je me souviens de ça. Fumigène. Je me souviens de ça, ouais. Ah non, je suis trop loin. Ouais, pareil. Alors, attends, hop, hop, hop. De jouvence, pas de soucis, ça nous permet de les ressusciter. Celui-là, on fait comme ça. Voilà, 999 pièces. Hop, voilà. Et là, je crois que là, si je m'en souviens bien. Pour moi, je m'en souviens pas. Je teste un truc, hein, je suis pas sûr de moi, mais bon. Je bug complet là. Ou alors non, celui-là il faut la faire avancer. Putain, du coup on a super avancé tout à peu près. Voilà, celui-là on le met comme ça déjà. Celui-là il sert forcément qu'à ça, celui-là. Il sert vraiment qu'à déplacer celui-là. Mais là, je m'en souviens plus du tout là. Ouais, d'accord, comme ça. Ah, je viens de comprendre. Ça y est, on fait ça. Oui, t'es pour gagner du temps, voilà. On fait ça comme ça. On descend celui-là.
Voilà. Ouh. Muramasa. Elle est maudite aussi normalement. Mais ça c'est une épée. Ça c'est une épée, c'est quelque chose cette épée. C'est vraiment quelque chose. Voilà, normalement. Épée langue lance feu abyssal. Ah. Ah oui, mais je peux plus l'enlever. D'accord, est-ce qu'on peut voir l'attaque de Star? Il n'y a pas un... Il n'y a pas un détail, voilà. Attaque plus 126. D'accord? Attaque plus 130. Ouais, donc celle-ci, elle reste plus puissante. Du coup, la mienne, alors. La mienne, la lame de Gaïa. Normalement, c'est la plus puissante lame, la mienne, normalement, là. Voilà, attaque plus 135, plus 20 puissance en bonus, plus 20 puissance en résistance. Donc non, la mienne, celle-ci, elle est... Et je peux pas donc la donner à... Ils sont pas autorisés. Oh, comme c'est dommage. Oh, elle est tellement belle comme épée. Et non, parce que du coup, pour pouvoir m'en équiper, il faut que je... Comment t'appelles ça? Il faut exorciser le personnage pour pouvoir enlever la masse du chaos. Même si on a l'anneau de clérical, ça nous permet d'utiliser l'arme. Mais si je veux pouvoir m'en équiper, il faut pouvoir enlever cette arme. Et elle lance feu abyssal, elle. C'est l'équivalent de ce que... celle-ci... Voilà, l'âme des titans, c'est l'équivalent de l'âme des titans, mais en feu. Ouais, on essayera plus tard, ouais. On essayera de voir si elle est pas maudite, tranquille. De toute façon, on a l'anneau de clérical maintenant, donc voilà. Hop, le raccourci. La petite sauvegarde, parce que on a quand même des bonnes armes et tout ça. Ce serait con parce qu'il est quand même déjà à 23h51. Ah ben ça y est, on y est. On y est au big boss. Bon ben voilà ce qu'on va faire. On va tenter. On va tenter. Ah ben on tombe sur une mimique. Bon c'est une simple mimique, pas de soucis, on va l'éclater. Pas été empoisonné. Ah, ça a mal. Hein. Ça a marché, sa malédiction. Ah, a été empoisonné. C'est parti. Oh, ben là, un petit temps. Bah, c'est bon, il est mort. Même pas. Ah, ben voilà, c'est le poison qu'il a eu. Alors, Maiden Pass Senior de Senior niveau 29, 1000 points d'expérience. L'agilité, et on trouve une potion. Ouais, bon, hein, on est d'accord. Hein. C'était pas le meilleur truc. Hein. Je veux juste qu'on soigne par contre Mister. Donc là, il y a un trou. Là, il y a un trou, on peut pas y aller. Là, parce que je sais plus vraiment où est-ce qu'il est. Ah ben on est tombé sur lui. Warax, le voilà. Même la musique est différente. Donc je voulais voir ce qu'il y avait en haut, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. On va faire un premier tour, attaque physique. Ah putain, il augmente sa garde. Ouais d'accord, il augmente sa garde magie, sa garde, ok, pas de problème. Pas de problème, pas de problème.
Basalte, empoisonne-le. Forge, en booste l'attaque. Hop, on booste la magie. Toi, tu n'as rien qui puisse gel un ennemi et diminue sa défense. Ah, il a pas été empoisonné. Oh là là, oh là là, oh là là, les dégâts qu'il a provoqués. Ça a même pas enlevé sa défense, d'accord, ok. Ah, il augmente son attaque maintenant. 117. C'est abusé. Vas-y, Ragnarok, je vais voir ce que je vais faire comme dégâts. Toi, tu vas faire garde majeur, tu augmentes. Toi, tu fais attaque de masse. Et toi, tu soignes le groupe. Heureusement que j'ai déjà commencé à diminuer augmenter nos défenses. Parce qu'on se serait fait éclater là. Voilà, vas-y, garde physique et rupture. Force réinitialisée. Oh l'enfoiré. Vas-y, Mergaïa, juste pour voir ce que ça donne. Je vais rebooster la défense. J'ai bien envie de tenter le coup avec une invocation, mais chacun notre tour. On va booster l'agilité du groupe. Et toi, toi, essaye Glacier, juste pour voir ce que ça va donner. 128. On lui fait un peu plus de dégâts. Waouh, waouh, waouh. De dégâts, c'est tout. Défense physique, ouais, mais c'est pas la défense. Putain, il a re-augmenté sa défense de garde. Je vais essayer de le bloquer pendant un temps. Je vais essayer de ouais, voilà, descendre sa défense absolument. Toi, tu vas augmenter la protection du groupe au niveau magie. Et toi, tu vas soigner l'équipe. Pour l'instant, elle est toujours vivante. Donc, écoute, c'est un bon signe. On arrive à tenir le coup. Il faut absolument en plus que toute l'équipe. Oh non, foiré, putain. Il faut absolument que toute l'équipe. Je dis bien toute l'équipe. Un, deux, trois. Il en faut un quatrième. Je vais essayer de le paralyser. Il faut absolument que toute l'équipe. Il faut absolument que toute l'équipe. Toi, t'as rien qui peut nous aider, non? Vas-y, attaque avec un petit glacier, pas grand chose. 86. Oh, 189 de dégâts. Putain, mais pourtant, on est protégé, quoi. Je l'ai augmenté la défense. Vas-y, paralyse-le. On l'a même pas paralysé, quoi. Il a aucune faiblesse en plus. Il peut faire magie, eau, feu, ce que tu veux, vent. Il a aucune faiblesse.
Il me semble qu'il a aucune faiblesse. Mergaïa faisait plus de dégâts, je crois. Je vais essayer une attaque physique. Non, j'ai pas augmenté mon attaque physique. J'aimerais bien faire l'âme titan. Juste essayer. Juste essayer. Ok, toi tu fais météore. Toi tu. Boost la magie. Parce que dans tous les cas, il nous fait encore des dégâts avec sa magie. Et toi tu soignes l'équipe. Oh, l'âme titan, excellent. 126. Ouais, mais c'est pas. Oh, wow, 197 de dégâts. Putain, pourtant j'ai augmenté la défense. Hein. Wow, il fait des dégâts de ouf. Ok, je sais plus quoi faire. On va faire Ragnarok. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le plus. Lui, il faut attendre que, du coup, maintenant, ça revienne les djinns. Bloque la synergie d'un ennemi. On peut tenter ça. Et toi, refais un soin parce que je le sens pas là. Je l'ai même pas encore appris ça, zéro absolu. Plus ça va. Ah putain, ça a pas marché. Plus ça va et plus toute sa magie, il les augmente. Regarde, zéro absolu maintenant. Il était sur l'eau, le vent. Il est passé au feu, il est sur la glace maintenant. Il est en train de nous éclater. Ok, garde majeur. On a assez de faits de protection de magie, donc faut attaquer à un moment donné, sinon on va pas y arriver. Toi, re-soigne l'équipe. Waouh. Allez, c'est bon, on perd un KO déjà. On a un KO déjà dans l'équipe. Putain, mais c'est un truc de fou ce mec. Vas-y, rebooste l'équipe. Et toi, tu vas essayer. Ah ouais, mais non, il faut soigner l'équipe. Eau de jouvence. On va pas attaquer sur ce tour, tant pis. On va pas attaquer sur ce tour. Lui, il en se garde. Ok, donc il a atteint son maximum. Ok, nous on envoie garde aussi. Ça augmente. Putain, mais les ruptures à chaque fois. Ok, donc Ragnarok. Non, attends. J'avais dit quoi? J'avais dit racine. Je vais entraver son agilité. Toi. Je vais essayer de défendre sa défense. Non, là, on va. Je sais plus. Je vais essayer d'augmenter notre attaque physique au cas où si on a plus de magie. Parce que c'est bientôt le cas pour Medan. Toi, tu vas attaquer avec glacier.
L'agilité de Warax diminue de 90. Ah mais du coup il attaque physiquement. Ouais d'accord, ça a même pas eu d'effet, je peux pas descendre ça en armure. Je vais protéger le groupe. Ok, vas-y, fais voir. Ok, ils sont tous revenus. Donc je vais booster la défense du groupe encore avec lui. Toi tu vas booster l'impact avec lui. Et toi tu vas nous soigner. Donc là pour l'instant j'ai fait que de la booster le groupe là. Merde, il a pas attaqué de tout le... Après peut-être que avec toute la défense que j'ai fait, il me fera pas grand mal. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ah, 61, bah ben oui, mais par contre, oui, mais là il m'a enlevé la force, mais pas la... Il m'a enlevé la force, mais pas la magie. Voilà. Donc il m'enlève la force mais il m'enlève pas la défense. Donc je vais continuer à me défendre. Ah, j'ai presque plus de magie, putain, ça sent le vinaigre pour moi. Oh, 1328. Je lui ai enlevé 1328 points de vie. Il faudrait que j'essaye d'attaquer quand même avec, comme il s'appelle, Garrett pour l'empoisonner. Voilà. Ok, maintenant c'est bon. On est d'accord? Ah putain, malgré notre défense, il nous fait de gros dégâts. Ah, il augmente son attaque de 117 points. Putain, mais il a abusé ce mec. Ok, là, moi, je peux plus attaquer. Il faut attendre que le... Je vais tenter les attaques physiques pour eux deux. Lui, la protection comme d'hab. Et elle va refaire un soin pour tout le monde. 39 de dégâts, c'est tout. J'aurais préféré une âme de titan, mais bon. Je t'en supplie, Garrett, empoisonne-le. Ah, les invocations, il les aime pas, ouais. Ah, je voulais que tu l'empoisonnes. Oh putain, il augmente encore son attaque de 17. Oh! 259. Bon, toi, Ragnarok. On va retenter d'essayer de l'empoisonner. Toi, il faut que tu te soignes, mon grand. Toi, on va commencer à diminuer l'attaque de l'ennemi. On va essayer comme ça. 107. Pour l'instant, on est toujours vivant, hein. On tient le coup. Hein. Putain, mais ça lui baisse pas son attaque. Ah merde, putain, je voulais absolument que ça l'empoisonne. C'est pas la peine, je pense pas qu'on arrivera à l'empoisonner. Putain, 225 de dégâts. Il me reste 2 à récupérer. On va faire Ragnarok. Toi, on va faire garde, on va remettre de la défense. Attends. Ouais, on va faire garde. Bleu.
bloque la synergie de l'ennemi. On va tenter ça. Ressuscite un membre du groupe. Endort un ennemi. Rend les PV du groupe. On va commencer à essayer de faire deux invocations là. Mais moi j'ai peur que ce soit... Et voilà. Moi c'est ce que j'avais peur. Oh putain oui. On lui a enlevé sa synergie. Il peut plus attaquer avec la magie. Ouais mais par contre il peut attaquer qu'avec le physique. Il fait du gros dégât avec le physique quand même. Oui mais du coup j'ai plus de protection. Alors attaque avec des bourrasques. Voile la vue de l'ennemi. Attaque deux fois au tour suivant. Paralyse un ennemi. On va essayer de le paralyser. Elle, elle en est à 3. Peps rend le PV d'un ennemi. Endort un ennemi. Ressuscite un membre du groupe. J'ai préféré utiliser. Écoute, on va faire ça au pif. Tant pis, je sais pas quoi faire. Ah putain, c'est Yvan qui s'écroule. Merde. Synergie de Warax débloquée. Ah oh, mais ça a duré qu'un tour quoi. Ok, moi j'ai récupéré tout. Donc je vais faire Mère Gaïa sur lui. Défense du groupe. Et elle normalement... Comment ça Ah bah oui, du coup oui. On va ressusciter un membre du groupe, on va essayer. 163 points de dégâts. Ah, j'ai peur que ça fasse des dégâts là maintenant. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y ressuscite-le s'il te plaît parce que là il faut nous soigner mais grave là. Lance-garde, ok. Ok, 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 ok. Alors attends, ça va être le tour du soin. Sauf que elle, elle va invoquer, donc alors attends. Soin majeur, pour moi. Lui, je crois qu'il a aucun objet pour soigner. Je peux pas jeter les armes dans sa gueule. Il a aucun objet pour soigner lui. Donc garde majeur. Toi t'as la potion. Ouais mais t'as moins de défense. Donc je sais pas si j'ai bien fait. Je sais pas. Et toi par contre. Voilà. Wow. Putain de merde. Il a éclaté Yvan en un coup. ...578, c'est le plus faible la glace. Wow, ouf, putain. C'est violent là, c'est quand même. Attends, c'est quoi, Karts? Je vais essayer de le ressusciter. Y avait pas... pas quoi faire parce qu'elle du coup là maintenant ouais voilà elle peut plus soigner toute l'équipe. Merde ça y est là j'ai fait bêtise. Ce coup n'a pas d'effet sur Yvan mais c'est quoi ces conneries. Ok on a eu de la chance sur ce tour. Une barrière de terre. Pénètre la défense.
Attention, son agilité est revenue à la normale. Et oui, j'ai vu. Sauf que j'ai plus, moi... Putain, il augmente sa défense. Il faudrait que je re-augmente mes défenses, que je re-augmente mon agilité. Attaque avec un poison naturel, on va retenter le coup avec lui. Il y en a 3 de fées. Paralyse un ennemi, on va tenter le coup. Voilà, alors lui il est revenu. Lui normalement c'était pareil. Tiens, comme ça tu vas nous soigner 2 fois toi, au moins comme ça on va voir. Toi tu as récupéré soin, donc soin pour tout le monde. Allez, empoisonne. Putain, il a pas de poison. T'imagines qu'à la base j'ai les armures qui protègent du feu, notre défense est quand même bien montée, l'armure est bien protégée, on se soigne au début. On essaye de le paralyser, de faire ce qu'on peut. C'est un truc de fou, il est badass. Il est badass. Ah oui, oui, son agilité, oui, est revenu à 200%. Et putain, les magies font des dégâts. Ok, c'est pas grave. Quoi, comment ça, je peux pas invoquer... Il m'en faut... encore moi. On va essayer de l'immobiliser. Ouais. Ça sert à rien de les mobiliser. Depuis tout à l'heure, j'essaye, ça fonctionne pas. Donc, oh là. Météore. Thor. Et toi. Soin. Les soins minimes 2 fois. J'ai eu de la chance. Du coup, aucune invocation a été faite. Les deux sont KO. Putain de merde. Ah, j'ai pas de quoi ressusciter moi. Tant pis, je pique l'invocation à Yvan. Et toi, il faut que tu ressuscites. Du coup, l'attaque sera moins puissante parce que c'est un personnage de terre qui l'envoie. S'ils sont 2 points de vie en moins quand même. Putain, il attaque fort maintenant. Ok, vas-y Gareth. Tiens le coup Gareth. Ok, pas de problème. Moi. J'ai plus de magie moi. 1, 2, 3. Eh ben Apocalypse, c'est bon, voilà. Météore. Essaye de ressusciter, je sais pas, essaye de ressusciter, il nous faut de la défense. Oh putain, c'est bon. On l'a eu. Ah putain, Yvan, il va pas prendre points d'expérience. 8000 points d'expérience. Merci pour le GG. Pièces d'or et eau de jouvence. Du coup, on a un coffre qui se libère. Et vous donne la plate abyssale à Gareth. Et je crois que la plate abyssale, c'est un objet. C'est un objet maudit aussi, je crois. Mais augmente la défense. Armure diminue, quoi, je comprends pas. Détail. Moins 10 à la résistance de l'air. Par contre, plus 50 en défense.
Oui, mais de toute façon, l'air, on s'en fout, puisque l'air, c'est fini, et à la fin, c'est le feu et la terre, le boss final du jeu, donc... Et de toute façon, il a l'anneau de corail. Donc lui, quitte à ce qu'il soit maudit, autant qu'il soit maudit jusqu'au bout. Voilà, alors par contre... Parce que du coup, fais voir les niveaux là. 29, 29, 27, 28. D'accord, donc on a super bien géré le combat, on a été très tactique. Mais ça aurait pu être une catastrophe. Très honnêtement, ça aurait pu être une catastrophe. Ici, on peut pas monter. Ah non, c'est cassé. Donc voilà, première zone optionnelle faite. On va accélérer. Voilà. On prend ça. Normalement, elle va nous mettre, voilà, ici. Donc, on nous gagne du temps sur le... Sur ça. On va soigner toute l'équipe quand même ici. Ah oui, c'est vrai, c'était un combat assez stressant quand même. Il était assez stressant le combat, j'avoue. Mais il était beau, ouais. Donc, l'équipe est soignée, en sauvegarde. Les amis, moi je vais vous laisser là parce qu'il est quand même minuit 20, ça fait là, là il est fait tard quand même, on a fait 1h20 de plus. Merci beaucoup Zek d'être resté avec moi. Attends, excuse-moi. Ah, j'arrive pas à bouger. Bon. Prochaine vidéo, ce qu'on fait c'est qu'on essaye donc du coup d'aller à Lumpa, faire la dernière zone optionnelle, récupérer le tout dernier jean pour que l'équipe soit au complet. Et puis on fait le combat final sur la prochaine vidéo. Voilà, les amis. Moi, en attendant, en ligne, je vais essayer de trouver un chemin de puisse me rapprocher de Lumpa quand même. Et puis faire quelques montages de niveau au passage aussi. Voilà. Donc demain, normalement, parce que les Pokémon, je vais faire une pause. Donc on reprendra pas sur Pokémon. Donc demain, ce sera Dead Island. Ou Dark Souls 2, un des deux. Voilà, les amis. On est quel jour demain? Je sais même plus, je suis perdu moi depuis que j'ai repris le travail. On est mercredi demain. Non. Alors demain, voilà comment demain ça va faire. Ce sera soit Dead Island, soit Dark Souls 2, soit sinon je prends mon jour de repos. Parce que comme j'ai précommandé Elden Ring, j'ai peut-être, avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir le streamer jeudi soir. Donc peut-être que demain soir je me reposerai. Voilà. Donc on va voir comment on fait. Donc les amis sur ce... Je peux pas bouger. Les amis sur ce... Bah écoutez, merci beaucoup. Zek, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. On se retrouve demain sur un de tes lives si tu veux. Ou demain sur un de mes lives. Et puis passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Pour YouTube, et bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo à un maximum. Et puis abonnez-vous pour voir la suite de notre prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis, à la prochaine fois. Allez, à bientôt Zek, repose-toi aussi.